avant que la lumière des dieux illumine le monde, il n'existait que les ténèbres contrôlées par les titans. Après une guerre sans merci, Zeus prit le contrôle des cieux et bannit les titans, les condamnant ainsi à une éternité de servitude. Le monde fut nettoyé et les mortels commencèrent à prospérer. Mais l'arrogance en amenait plus d'un à sa perte. Et même une prison construite par les dieux peut être violée. Jetez donc un œil à notre magasin. Mon père est le meilleur forgeron de la ville. Des lames comme celle-ci, vous n'en trouverez pas ailleurs. Thank you.
peux plus rien porter. Tu ne peux rien porter d'autre. Lances peuvent traverser la tête d'un homme comme une vulgaire laitue. Ouais.
Tu ne peux rien porter d'autre. Tu ne peux plus rien porter. Voilà. À bientôt. Toutes vos affaires sont là. N'allez pas mourir de froid. Bonne journée. Les Teutons prévoient d'aller vers le sud. Je vais peut-être les suivre. Enfin, le marché grouille à nouveau de monde. Presque trop. Un chariot a failli rentrer dans mon étal. C'est fou, non ? Une faux magique ? Pour moi ? Mais... Merci. Oh, merci ! Vous m'avez redonné espoir. Je vais retourner à ma ferme et la reconstruire. Elle sera encore mieux qu'avant.
ne peux plus rien porter. Un humain ? Ici ? Vous n'avez pas bonne mine. Je vous conseille de faire quelques achats si vous ne voulez pas que les fongueux s'occupent de vous. Personne ne retrouvera votre cadavre dans ces tunnels. Thank you.
Tu ne peux rien porter d'autre. Puis-je vous aider? Ouais. Toutes vos affaires sont là. C'est difficile de progresser dans ce maudit brouillard. Cadeau, c'est pour moi? Oh, enfin quelqu'un qui sait comment faire plaisir aux femmes. Quel beau collier. J'ai vu que vous parliez à ces abrutis d'Ulfgrim et Trigbord, et je suppose que vous voulez que je vous rende un service. Très bien.
Leurs disputes ne m'intéressent pas, de toute façon. Voilà un permis pour cette cabane. Donnez-le à qui vous voulez. Aldis avait raison. Vous allez vraiment faire bouger les choses. Une concession provenant de la chef ? Je suppose qu'elle est pour moi. Odilde a écrit une lettre ? Montrez-moi ça ! Je vous remercie. Grâce à ça, même mon frère devra arrêter de s'entêter. Il est temps de transformer cette vieille bâtisse en véritable armurerie. Ha ! Je vois que vous êtes aussi quelqu'un de prétentieux et dénué d'honneur. J'aurais dû m'en douter. Pouah ! Bon courage pour faire tenir la boutique si vous ne proposez aucune arme digne de ce nom. Je ne resterai pas ici plus longtemps, mais je viendrai pour récupérer mon or. Laissez-moi un peu de temps que je prépare tout ça. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Laissez-moi vous montrer certaines pièces exclusives. Si vous revoyez mon frère, dites-lui que je pourrai bientôt le payer. Ha ! Je vois que vous êtes aussi quelqu'un de prétentieux et dénué. Oh, je déteste ces maudits hommes poissons. Par Njord, on dirait qu'il y en a partout. On peut plus pêcher tranquillement sans qu'il y en ait qui rappliquent. Et quand on en attrape dans ses filets, impossible de les manger. Leur goût est encore plus atroce que leur odeur.
On dit de Nertus qu'elle interagit souvent avec les humains, bien plus que les autres déesses connues. Yudok est revenu. Il m'a dit que vous avez affronté les membres du culte ensemble. C'est vrai? Je ne savais pas qu'il était si courageux. Notre miel. Alors... Oh!
Écoutez les dieux. Salutations! Il paraît que vous êtes ici pour vous couvrir de gloire au combat. Parfait! Avec ces Germains à nos frontières, il y en a pour tout le monde!
casques sont là-bas. Pas terrible pour les cheveux, mais parfait pour ne pas se faire briser le crâne. Bonne journée. Les Teutons prévoient d'aller vers le sud. Je vais peut-être les suivre. Heureuse de vous revoir. Avez-vous pu faire face aux traîtres? Savez-vous comment libérer mon père? Impossible d'ouvrir. Nous sommes des Fjolkenig. La dernière plaque! Je vais enfin pouvoir réparer le chaudron! Maîtresse! Vous avez vu? Oh, quelle magie il doit contenir! Tenez, vous avez mérité une belle récompense! Pendant des années, j'ai œuvré à rassembler les différentes pièces et grâce à vous, j'y suis enfin parvenue! Nous allons devoir étudier de quoi ce chaudron est capable, mais je suis certaine qu'il nous sera très utile en ces temps troublés. Venez me revoir un de ces jours! Séjour. Toutes vos affaires sont là. N'allez pas mourir de froid. Ouais. Laissez-moi deviner. Encore de l'ambre. Très bien. J'ai entendu des chansons à votre gloire. Le pourfendeur d'un millier de monstres. C'est un véritable honneur, si je puis dire. Vos actes d'héroïsme sont connus dans le monde entier. Enfin, seulement dans ce monde-ci, en fait. Thank you.
Ces brutes n'aiment pas que des hommes étudient la magie de Freya. Ils y voient un manque d'honneur. Mais quel mal y a-t-il à vouloir plus de puissance ? Faites attention à vous. Salutations. Que diriez-vous de quelques jolies plaides celtiques ? Rien de bien magique. Voyez donc ça. Un grand guerrier venu d'une contrée lointaine. Je parie que tu trouveras ton bonheur ici. Au revoir. J'ai pas le temps de discuter, j'ai trop à faire. J'imagine que vous voulez quelque chose que je n'ai plus en stock. Que les dieux vous protègent. Vous m'avez apporté ça ? Mais où avez-vous trouvé tout ça ? C'est impossible ! Oh, oui, bien sûr qu'il me plaise. Oh, je vous paierai. Au moins en partie, avec ce que j'ai. Voilà, je vous en prie, prenez ça. Regardez-moi cette armure, comme elle est robuste. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Par Toutatis et par Lucetios. Bienvenue dans le Némétone.
C'est ici que nous communions avec nos dieux et lisons les signes qu'ils nous envoient. Mais je suppose que vous cherchez une utilisation plus pragmatique de notre sagesse, je me trompe ? Que les mers vous sourient. Coffres sont verrouillés! Par magie! Voyager léger! Caravane de stockage! Très bien!
Salut à vous. Je suis Zeus, roi de l'Olympe. Nous vous devons une reconnaissance éternelle pour avoir arrêté Typhon. Qui aurait cru qu'un humain puisse vaincre un titan? Les héros des légendes s'agenouilleraient devant vous.
Et peut-être le feront-ils. Le passage entre nos deux mondes a été détruit. Vous avez prouvé que les hommes sont prêts à prendre leur destinée en main. Votre monde mortel n'est pas encore sûr, mais il est désormais sous votre responsabilité. Allez, vénérable héros, il reste beaucoup à faire. Je peux pas me procurer de fer. Quant au prix du bronze, vous avez de la chance que je vende de tout. Que ne donnerais-je pas pour une charte de bronze ? Consiste à vous souvenir de secrets dont vous avez jadis eu connaissance. Trouvez la force en vous. Stockez vos affaires ou expédiez-les. Quel honneur! Caravane de stockage! Que Hera veille sur vous. Le pouvoir caché est toujours la plus grande menace. Adieu. Je ne suis pas idiot. Ces manuscrits m'ont bien l'air authentiques. C'est un marchand de Saïs qui me les a vendus. D'après ce qu'il m'a dit,
le temple local souhaitait se débarrasser d'une partie de leurs reliques.